Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. La fin de Cristiano Ronaldo qui s'annonce avec la fin de Binance. Que se passe-t-il concrètement? Ceux qui sont fans de Cristiano Ronaldo et sont fans aussi de Binance, les gars, ces choses ne sont pas bonnes. Vous allez comprendre dans cette vidéo avec une analyse importante et pertinente sur ce qui est en train de se passer. Et quelles seront les conséquences? C'est ça qui est le plus important, les conséquences de ce qui est en train de se passer. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez, aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. Le halving ne vient pas pour t'enrichir. Et quand j'ai dit ça, les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que le halving, c'est le processus qui va permettre aux crypto-investisseurs de s'enrichir. Les gars, avec toi, ou avec moi, ou avec nous, ou sans nous, il y aura le halving. Le halving, c'est un processus défini qui doit, le halving de chaque crypto-monnaie, de certaines crypto-monnaies, il y a le halving de Litecoin, le halving de certaines crypto-monnaies, le halving du Bitcoin aura lieu l'année prochaine en 2024. Et ce halving ne veut pas dire automatiquement l'ouverture de la boîte de la richesse. Ce n'est pas la magie. Le halving, ce n'est pas la magie. Aujourd'hui, les gens disent souvent, quand il y a le halving, oui, toutes les équipes vont monter. Toutes ne vont pas monter. Est-ce que tu t'es préparé à ça? Il peut y avoir le halving du Bitcoin, d'accord? Mais peut-être seul le Bitcoin va monter, avec certains autres altcoins, d'accord? Ou peut-être que après le halving, le Bitcoin chute et on devient encore plus pauvre. Les gars, parce que je vois sur la toile, les gens disent, non, le halving va nous rendre riches. Le halving, non, nous attendons juste le halving. Après le halving, on serait, les gars, non. Enlevez ça dans vos têtes. Le halving, ce n'est pas le processus qui permettra que toi, tu aies beaucoup d'argent. C'est le processus qui permet de diviser les récompenses des mineurs par deux pour faire rare le Bitcoin. Certes, quand on parle de rareté, on parle de quoi? On parle, voilà, que le prix augmente. Mais ce n'est pas une formule magique, le halving. Et les gens vont voir qu'il y a eu bel et bien le halving, mais ne pourront pas profiter mal. Parce que comment on peut faire de halving? Dites-moi. Parce que le prix qu'on va monter, on va profiter. Il y aura certains qui ne sauront pas profiter. Attention. Parce que, voilà, en crypto-monnaie, je dis et je répète encore une chose. La formation est la clé. Si tu ne te formes pas, il y a certaines choses que tu vas voir certaines personnes faire et certaines personnes dire. Et toi, tu vas aller le faire et tu vas perdre ton argent. Attention, certaines choses se disent, mais de façon approfondie. C'est pourquoi nous avons notre groupe fermé, le groupe VIP, qui permet d'éclaircir, d'enlever le voile sur ce qui a été déjà voilé dans l'écosystème. De comprendre comment manger réellement vivant dans l'écosystème. D'accord? Donc, je pense que tu vas bientôt nous rejoindre. Il y a déjà plus de 1800 personnes qui nous ont déjà rejoints. Et toi, tu attends quoi? Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et viens nous rejoindre rapidement. Alors, au même moment, nous allons parler du Bitcoin. Eh, mes frères et sœurs, on est en train de parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui a fait presque 2% récemment. Le Bitcoin qui veut nous surprendre, d'accord? Mais en quel sens? Dans tous les sens, le Bitcoin peut toutefois nous surprendre. Actuellement, je suis en train de voir le Bitcoin à 38 100 $. On peut revenir voir ce même Bitcoin à 37 000 $. Donc, tout est possible. Tout peut arriver à tout moment. D'accord? Alors, ceux qui connaissent l'associé, Charlie, l'associé de Warren Buffett, qui appelle le Bitcoin de n'importe quoi, est mort. Il est mort. Paix à ton âme, mon frère. 99 ans, tu as vécu. Maintenant, c'est Warren Buffett qui doit mourir. Les gars, nul n'est éternel sur le terrain. Il va mourir. Tu vas mourir. Je vais mourir. Nous allons tous mourir. D'accord? Donc, c'est une réalité. Warren Buffett, il est vieux. Il est vieux. Si son associé est mort, c'est que lui aussi, il est sur le chemin. Bientôt aussi, il va partir. Et quand il va partir, on va arrêter d'écouter le Bitcoin. Même si le Bitcoin arrive à 25 $, je ne peux même pas. Même, tous les Bitcoins arrivent à 25 $, je ne vais même pas acheter. Or, c'est la même personne qui investit dans la banque Nubank qui investit dans les crypto-monnaies. Donc, voilà comment les crypto-monnaies les rendent riches. Ces messieurs-là, ils vous disent de ne pas faire cela. Mais eux, ils le font, mais de façon cachée. Vous comprenez donc? Mon frère, paix à ton âme, d'accord? Comme je l'ai dit, paix à ton âme. Et voilà, vas-y, nous, on va te rejoindre bientôt, d'accord? C'est une réalité. Les gars, franchement, cette affaire
de Binance devient très sérieux. Franchement, il y a trop d'informations sur Binance. Non, trop. Trop. On va commencer d'abord par cette information. Binance et Cristiano Ronaldo, c'est leur fin. Non, la fin de Binance s'annonce. Pour certaines personnes. Hein. Mais l'actuel CEO de Binance dit, les gars, vous vous trompez, vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est maintenant que nous serons plus forts que jamais. D'accord? Regardez l'analyse qui va se faire maintenant. C'est important. Si tu n'as pas encore donné le j'aime à la vidéo, donne ce j'aime à la vidéo. Si c'est ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, sois les bienvenus et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour avoir d'autres informations importantes et cruciales comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. On dit simplement, le CZ, qui est le CEO, qui est le fondateur de Binance, qui est aujourd'hui le CEO de Binance, a démissionné il y a quelques jours. Tout le monde sait ça. Mais dans sa démission, il faisait partie encore du conseil d'administration de Binance US. Et dans ce même conseil d'administration, hein, on nous dit simplement et purement qu'il vient de laisser aussi le président du conseil aussi de Binance US. En fait, il n'a pas simplement quitté le CEO de Binance Global. Il était, quand il quittait Binance Global, encore président de, président de Binance US. Et c'est ce qui a c'est Binance même US même là qui est en train d'entraîner la mort de Binance Global à cause des régulateurs américains qui sont US là. Avec je préfère me taire. Donc nous sommes en train de voir aujourd'hui combien de fois hein, Binance US est en train de tuer Binance Global. Et Binance US, hein, aujourd'hui, le CEO de Binance, le fondateur de Binance, abandonne, hein, abandonne ses responsabilités de Binance US aussi, comme président d'administration. Et mieux encore, il doit payer 4 milliards de dollars. Et nous sommes en train de voir que le problème avec Binance ne finira jamais. Les gars, si tu penses que le problème avec Binance va finir maintenant, tu t'es trompé, hein. Non, franchement, les gars, on se trompe. Ce n'est pas maintenant. On n'est même pas au bout du commencement. Parce que déjà, on l'interdit de sortir. Mais ce n'est pas encore fini, les gars. Les taux se serrent de plus en plus sur Binance. Les gars, franchement, regardez encore cette information qui est tombée de la Philippine. Les Philippiens là-haut. Alcide, tais-toi. Non, franchement, parce qu'il y a certaines choses qui énervent. Je vais parler, mais je ne peux pas parler. Parce que les gens m'ont dit que ce n'est pas poli. D'accord? Donc, je vais me taire un peu. Et je vais continuer l'analyse que vous aimez si tant ici sur cette chaîne. Mais si vous me permettez de parler, laissez un commentaire. Aristide, il faut parler. J'ai envie de parler. Permettez-moi de parler, je vais parler prochainement. Mais je vais faire l'analyse. On dit, semblerait-il que Binance est en train d'opérer illégalement en Philippines. Quand j'ai vu ça, je vous jure que j'ai réfléchi. On dit, semblerait-il que Binance est en train de faire des opérations illégales. C'est-à-dire que la SEC de la Philippine n'a pas donné l'autorisation à Binance hein, de faire des opérations hein, sur le territoire. D'accord? Et Binance doit faire quoi? Les gars, franchement. Oh, Binance Yako. Binance Yako, Yako. Aïe! C'est quoi concrètement? Non, les gars, non, franchement, c'est énervant. C'est vraiment énervant ce qui se passe. Je ne viens pas défendre Binance, mais je viens dire les lèches-culs de la SEC américaine, qui sont certains pays. Parce que la SEC américaine a dit qu'elle a un procès contre Binance, que tout le monde commence par dire non, Binance est illégal dans mon pays. Les gars, non, franchement. Pourquoi ne pas hein, accepter une collaboration? Vous allez voir, la SEC aussi philippienne va mettre une pénalité sur Binance. Binance doit payer ça. 5 millions de pesos philippiens, ce qui fait 100 000 dollars. Tout le monde va vouloir manger dans Binance. Non, c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi? Non, mais franchement, non. Pourquoi on ne peut pas évoluer hein, et laisser les autres évoluer? Pourquoi toujours mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent évoluer? Parce que la SEC philippienne veut faire comme la SEC américaine, c'est tout. Hein? Ils veulent dépouiller Binance. Et vous allez me dire, mais ça ne me regarde pas, ça te regarde. Parce que les 4 milliards que Binance va payer à la SEC américaine, là, tu vas payer. On va
cotiser ensemble ici. Aïe, yeah, je vous dis. Binance là, ils ont dit qu'ils vont payer ou bien. Ils vont payer. Et c'est, qui va payer, c'est toi l'utilisateur. Parce que Binance va mettre certains magouilles en place pour payer. C'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Parce que Binance est là pour servir ses intérêts et aussi l'intérêt de ses clients. Et alors, si c'est qu'il ne veut pas payer, alors on va les forcer à payer. On va nous forcer à payer. En tout cas, moi j'ai dit ça dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans le groupe VIP, on a déjà parlé de ça. Le samedi, quand nous ferons même le chat, je vous dis samedi, on va encore parler de ça. Alors donc, c'est important, d'accord? Donc sur cela, maintenant revenons sur Cristiano Ronaldo. Eh les gars, franchement. Non mais Cristiano, qu'est-ce que ce beau mec a fait? Et on l'accuse. On dit simplement Cristiano Ronaldo est accusé. Hein? Est accusé. Hein? D'avoir fait la promotion de Binance. Donc ça veut dire qu'il veut finir avec la carrière de Cristiano Ronaldo comme cela. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a Messi. Messi, l'ami de Cristiano Ronaldo, là, c'est-à-dire que les deux sont des joueurs. Messi, là, lui fait la promotion de BitJet, l'échangeur BitJet. Je ne sais pas si vous savez ça. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais Ronaldo qui vient faire la promotion de... Non, franchement, moi je dis, il y a certaines choses là, sincèrement, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Aristide, je vais parler, les gars. Donnez-moi l'autorisation de parler. C'est parce que Cristiano Ronaldo a fait la publicité de Binance, hein, qu'aujourd'hui, on cherche à finir avec ce dernier. En fait, on veut mettre fin à la carrière de Cristiano Ronaldo ou quoi? On veut mettre fin à la carrière de Cristiano Ronaldo ou quoi? Parce que Cristiano Ronaldo a fait la promotion de Binance. Voilà ici. Voilà ici Cristiano Ronaldo. On dit simplement, il est... voilà Cristiano Ronaldo ici. C'est lui ici. Il a fait la promotion de Binance, d'accord. Il a été payé pour ça, d'accord. Où est le mal? Mais est-ce qu'il a forcé quelqu'un? Est-ce que Cristiano Ronaldo a forcé quelqu'un? Vous voyez combien de fois, hein, certains de nos... les gars, franchement... Je vais parler même, vous ne me donnez pas la force quoi les gars. Donnez-moi l'autorisation de parler parce que j'ai trop envie de parler. C'est de n'importe quoi. Donc ça veut dire simplement que s'ils accusent Cristiano Ronaldo aujourd'hui, ça veut dire que demain, ils viendront accuser Messi avec BitJet. C'est comme cela. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, hein, il y a des influenceurs comme Cristiano Ronaldo qui sont toujours présents, hein, ou qui sont toujours disponibles à faire quoi? Ah, voilà, en quelque sorte, hein, parler voilà, à leur communauté, ceux qui sont intéressés. Mais ils ne forcent personne. Maintenant, on vient l'accuser que c'est comme ça. Hein, il a pas, parce qu'il a parlé de cela, il a parlé de Binance. C'est parce que Binance est un problème qu'on vient l'accuser. Ce que la SEC américaine veut faire, c'est qu'elle veut décourager tous les influenceurs. Voilà le mot. Et donc, tous les sponsors influenceurs qui parlent de Binance, de ne plus parler de Binance. En fait, c'est la mort assurée de Binance que certaines personnes attendent. Mais malheureusement, je ne sais pas s'ils le auront. Je ne sais pas s'ils l'auront ou ne l'auront pas. Franchement, ça donne vraiment des maux de tête. Voilà la SEC de plusieurs pays qui veut manger dans Binance. D'accord? Vous allez voir, même peut-être même les 4 milliards même que Binance, que la SEC va payer à Binance. Là. La SEC américaine va dire non, vous savez, ne nous payez pas en dollars américains. Hein? Payez-nous en BNB ou payez-nous en Bitcoin. On reçoit le Bitcoin. Vous savez très bien que le gouvernement américain détient plus de Bitcoin ou bien. Hein, ils sont le troisième ou le quatrième wallet qui détient plus de Bitcoin. Donc, payez-nous en Bitcoin. Voilà Cristiano Ronaldo. En fait, c'est pour décourager les grands influenceurs qui soutiennent Binance. C'est pas joli. Ce n'est pas joli. Le monsieur est un footballeur. Et il a porté habit de Binance. Il a une notoriété. Alors, et maintenant, on vient dire que non, Binance a fait ça. Non, moi, je trouve ça vraiment gauche. Je trouve ça vraiment gauche que nous essayons, hein, de chercher le beau diable au paradis. Les gens cherchent le diable au paradis. C'est ce que les gens sont en train de faire. Et maintenant, on cherche des accusations aussi contre Binance sur l'effondrement de FTX. Je ne dis pas que Binance est sain, les gars. Loin de là, je ne dis pas que Binance est sain. Mais on en a un ras-le-bol. On en a un ras-le-bol. La communauté crypto doit se lever. On doit sortir dans les rues. On doit sortir dans les rues. Franchement, on en a marre. On en a marre. C'est quoi concrètement? Mon frère, si tu as une crypto-monnaie, partage cette vidéo-là au maximum. Partage cette vidéo-là parce que
Si tu partais cette vidéo, tu montres ton ras-le-bol. Tu montres que trop, c'est trop. Binance n'est pas sain. Je ne dis pas que Binance est sain. Binance n'est pas sain. Binance a reconnu ses fautes, ses torts. Mais même les mêmes personnes qui accusent Binance là, ils sont même plus dangereux que Binance. Sincèrement, aujourd'hui on a pris Cristiano Ronaldo. Demain, qui on va accuser maintenant? On prend Cristiano Ronaldo comme modèle d'exemple pour que les influenceurs ne puissent plus soutenir Binance. C'est tout. Dans sa propagande, les gens ne veulent pas que Binance évolue. Nous voyons que Messi même l'a fait promotion des cryptos. Messi fait promotion des cryptos ou bien vous ne savez pas? Attendez, vous ne savez pas? Messi fait promotion des cryptos. Messi avec BitJet, je crois bien. BitJet échange. Vous allez voir. Voilà Messi. Ou bien c'est pas Messi ici. Ou bien c'est pas Lionel Messi. Ils sont en collaboration avec l'échangeur BitJet, Lionel Messi. Hein? Parce qu'on m'a dit que non, l'échangeur BitJet n'a pas de problème avec la sexe à cause de ça. Non, mais je trouve ça mal placé, je trouve ça ingrat, je trouve ça. Voilà, franchement, donc ça veut dire simplement que s'il arrivait un jour que l'échangeur BitJet a des problèmes, hein, alors on va aussi dire que on va mettre un procès contre Messi. Oh les gars, oh franchement, montrons notre ras-le-bol en partageant cette vidéo-là au maximum. Ce n'est pas encore la fin, c'est juste le commencement, hein, de cette lutte que nous allons affronter, que nous allons faire ensemble. Je ne suis pas de l'équipe de Binance, mais je dis ce que je pense. Qu'est-ce que toi tu en penses? Laisse un commentaire de la vidéo s'il te plaît. Et n'oublie pas, partage cette vidéo-là au maximum, sans modération, dans le groupe crypto, afin de réveiller la conscience des gens. Et ceux qui veulent se former avec nous, ou bien ceux qui veulent entrer en contact avec moi, contactez-moi sur le plus 208-96-04-48-07, sur WhatsApp ou sur Telegram, de préférence sur Telegram, ou sur le plus 55-11-95-28-09-796. Vous allez tomber directement sur moi. Ces deux numéros sont en dessous de la vidéo. Cliquez sur le premier lien, remplissez ce formulaire là pour avoir accès à notre groupe fermé. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.